ane emita koronde acha manga jagaramat agiye dikalma notit acha manga chiki ngalona notit nyama kipata tamu tamu ngere tibin yek nom toni ane ye sai mo chamanya mo ne gakim ya ta sai ni mara ya jine ki kine te kine kotore ya eltan. Je viens d'écouter une émission tout à l'heure qui parlait de l'excision. Je pensais que l'excision, c'était quelque chose qui était obligé par la religion. Ben là, je trouve que ce n'est pas ça. Parce que l'imam vient de donner les explications que ce n'est pas la religion qui oblige les gens. Je vais aussi conseiller à mes amis de ne plus jamais exciser leur enfant. Aujourd'hui, même si on m'offre une femme qui n'est pas excisée, je vais vraiment lui prendre. Cela, là, ça m'a encouragé. Avant, je n'avais pas ça en tête. Moi, je pensais que c'était vraiment une obligation, mais là, aujourd'hui, vraiment, je pensais que c'était de ta mère. Bon, Dieu merci, j'ai une idée maintenant sur l'excision. J'ai compris à travers l'émission que c'est une mauvaise chose. Surtout, au-delà de ça, il y a autre chose aussi qui dépasse même l'excision, qu'on appelle l'infubie, l'inquaba. C'est un mot ignoble même. Je ne comprends même pas. Surtout, celle qui a intervenu sur ça, elle a subi même. Vraiment, ça m'a piqué, ça m'a choqué. On doit arrêter. En tout cas, moi, à travers l'émission, je vais exhorter ma famille de ne pas pratiquer.